Bonjour à toutes et tous. La dernière séance du Conseil municipal de cette année 2023 avait un ordre du jour relativement restreint puisqu'il n'y avait que 15 délibérations. Parmi celles-ci, plusieurs demandes de subventions auprès de nos partenaires pour nous aider à mettre en œuvre nos politiques publiques, tant dans le domaine de la culture que dans les aménagements de la ville, la politique jeunesse ou même l'offre sportive. J'ai présenté également l'évolution de notre organisation qui tient compte des nouveaux enjeux qui sont apparus ces derniers mois. Je pense en particulier à la production d'énergie. Les élus qui disposent d'une délégation ont vu pour certains le périmètre de leur action évoluer. C'est donc désormais pour cette seconde partie du mandat une logique de chef de projet qui va animer l'action des adjoints. Nous avons eu l'occasion de nous voir à de très nombreuses reprises ces dernières semaines. Les événements festifs ont jalonné tout le mois de décembre avec la visite d'un Saint-Nicolas particulièrement généreux dans toutes les écoles, un marché de Noël à l'Ermitage, une grosse fête des enfants à l'espace 89 durant laquelle des centaines de livres ont été distribués aux familles frouardaises. Là encore, le public était très nombreux pour partager ce temps festif, puisque c'est plus d'un millier de goûters qui ont été servis dans une ambiance musicale portée par l'école de musique. Le besoin d'échanger directement est plus que jamais nécessaire, et ceci afin d'éviter que tout et n'importe quoi se raconte. Je me tiens comme en équipe à votre disposition pour des temps de travail avec vous, pour que chacun puisse apporter son expertise d'usager. Les groupes de travail ouverts sont là pour répondre à vos souhaits et je vous invite à me communiquer les thèmes que vous souhaiteriez que l'on propose à tous les habitants dans un esprit de coopération avec tous ceux qui veulent s'impliquer et dans une logique de citoyenneté active. Je vous souhaite à chacun individuellement pleine réussite dans vos projets et je nous souhaite collectivement pour la ville de Froid et pour vous, Frouardais, une belle année 2024.